Loué soit Jésus-Christ, la venue glorieuse du Christ. Nous en avons une idée à travers la prière du Notre Père. Prenons-la dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Vous donc priez ainsi, Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quel jour ? Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Le Notre Père est très nettement structuré autour de l'expression centrale « sur la terre comme au ciel ». Et au verset 11, le pain de ce jour pourrait désigner, eh bien, ce jour de la venue glorieuse. Un jour qui est comme 1000 ans, dira Saint-Pierre. Alors, au jour de la venue glorieuse du Christ, eh bien, le Notre Père s'accomplira d'une manière très spéciale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cela pourrait être une vie trinitaire pour les hommes. Le nom, c'est Jésus. Et celui qui sanctifie, c'est l'Esprit-Saint. Alors on a le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Que ton règne vienne, eh bien, au moment de la venue glorieuse du Christ, le règne vient sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Alors, le catéchisme de l'Église catholique et tout le magistère met en garde contre le millénarisme qui attend, qui pense, qui imagine le règne du Christ avant la venue glorieuse. Ce sont tous les millénarismes, les messianismes politiques promus par des gens qui d'ailleurs ne croient pas en la divinité du Christ. Ils n'attendent rien de la venue glorieuse du Christ, puisqu'il ne croit pas en sa divinité. Que peut bien nous faire cette venue glorieuse ? Ne changera pas grand-chose, puisqu'il n'est pas Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on dénonce les faux messianismes qu'il ne faut pas attendre la venue glorieuse du Christ et prier notre Père que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas parce qu'on dénonce les faux millénarismes qu'il ne faut pas avoir une telle espérance, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, la volonté de Dieu, plus nous approchons de la venue glorieuse, et plus nous la désirons. Au moment de la venue glorieuse, ceux qui sont avec le Christ font la volonté du Père de manière très aimante. Qu'est-ce que la divinisation, sinon notre union à Dieu? Et donc aussi l'union de notre volonté à la volonté divine. Et cela, c'est notre nature profonde. Selon l'image de saint Augustin, nous sommes comme l'huile qui remonte au-dessus de l'eau, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et donc notre essence profonde est en Dieu. Notre volonté se repose quand elle est en Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, au moment de la venue glorieuse, le pain de ce jour. Pain quotidien, pain eucharistique. Pain de la communion avec les saints. Eh bien, le pain de ce jour, oui, plus que jamais, plus que jamais. Le pardon, remets-nous nos dettes comme nous les avons remises aux autres. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Le pardon, eh bien, il sera accompli. Ce sera la réalisation parfaite du dessein miséricordieux de Dieu. Et aussi par la délivrance du mauvais, si vous voulez, par un grand exorcisme. Satan vaincu, enchaîné, refoulé en enfer.
Jésus a tout purifié par sa croix, mais il manque encore aux hommes d'accueillir le salut. Jésus a tout donné, mais il manque encore aux hommes d'en vivre et d'être divinisés par la grâce. Les demandes du Notre Père sont saisies par le Christ. Elles deviennent une prière éternelle et infinie. L'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Romains 8, 26. La venue glorieuse de Jésus sera le règne de Dieu et sa volonté agissant puissamment en nous jusqu'au miracle. Et nous sentirons le désir de la divine volonté. Le désir que la divine volonté se fasse, car c'est notre joie et notre divinisation. La venue glorieuse du Christ sera dans nos cœurs une vie trinitaire, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, merci, à bientôt.